prendre un cycle de ballon. Donc, un des points qui est important à prendre. Tiens, 15 secondes. Ça va dépendre complètement des partenaires que vous avez. Mais en gros, dites-vous si vous avez des partenaires qui ont des jambes souples, sont hyper souples, évitez de passer au-dessus. Parce que souvent, ils vont facilement recomposer. Une cote sur un mec qui est. Bah, lui, en fait. Et souvent, ils vont revenir avec ces jambes-là, revenir recomposer, etc. Donc souvent, on dit, les mecs qui ont des jambes et des hanches ouf, il faut éviter de passer au-dessus. Donc si on passe pas au-dessus, on passe en dessous ou sur le côté. Dans les passages de garde, on n'a pas divisé. Il y a knee cut, ici. Double under, over under. On va voir double under. On a forehand, c'est-à-dire passer sur le côté. Et souvent, c'est ce qu'on fait avec les gars qui sont très souples. Bon, là, il y a un guide. C'est souvent venir là, boum, boum. Pourquoi? Parce que là, on sait que sa jambe va vouloir revenir, il va revenir travailler. Sauf que là, on commence à être pas mal. Notamment si on commence à faire les clés. Donc, on va avoir le travail donc, après sur des reverse. Je suis là, je passe pour passer la garde en inversion. En gros, on a 4-5 passages. Le reste, c'est que des enfants de ça. Des alternatives de ça. La stat max, ça reste le knee cut. C'est pour ça que c'est la première que vous voyez en général, c'est le knee cut. C'est vraiment ça. Parce que quand on commence à bien se démerder, et que j'ai empêché que cette jambe-là revienne ou qu'il y ait son knee shield, j'ai quand même de bonnes stats pour passer. Mais c'est pas toujours le cas, parce que parfois, genre j'arrive ici, ça on voit beaucoup en oubli, et les mecs sont déjà en train de recomposer. Là, tu vois, putain. Donc, souvent, les mecs, les Mendes qui avaient beaucoup développé ça, parce que bah, c'est dans leur KT, en 66 et tout, ils ont commencé à faire beaucoup ça. Hop, décalé, arm drag, et mettre tout le poids là. Ce qui fait que là, je tue les deux jambes. Et je roule. D'accord? Ça, on ne le voit pas pour l'instant, parce que techniquement, c'est un peu particulier. Il faut déjà que vous ayez vos. Donc, on a pas beaucoup d'options en passage de garde. On a toujours l'impression qu'il y a 10 000 passages de garde, c'est pas vrai. On tombe toujours sur la même chose. Vous divisez les passages de garde en deux choses, au-dessus, en dessous. D'accord? Même celui-ci, ben c'est un passage au-dessus en réalité. D'accord? C'est un sous-ensemble du torrando. Torrando, c'est cette notion-là, je suis là, boum. Là, je vais en exagérer, hein. Mais souvent vous le faites en débutant avec des torrando, naturellement. Avec une hanche souple, il y a des manches à compléter. Ça dépend des lourds, ça dépend de la taille des jambes, ça dépend de plein de choses. Donc, si vous ne parvenez pas à passer une garde par au-dessus, il faut le tenter en dessous. Et là, en l'occurrence, on travaille en dessous. C'est-à-dire que on commence. Non, on va juste commencer. On commence sur de la butterfly. On reviendra dessus. Voilà. Donc, pensez bien. On doit toujours avoir nos idées de posture, grip, mouvement. Ne commencez pas à faire un mouvement si vous n'avez pas posture grip. Là, en l'occurrence, il a du grip, j'ai pas de grip. Je ne vais pas commencer à faire un mouvement, alors je vais pas. J'ai une posture qui est un peu cassée parce que je peux me casser ici. Je ne suis pas bien. Donc, quand quelqu'un est à l'intérieur, je dois faire quoi? Retourner à l'intérieur. Je ne reste jamais à l'extérieur. Je pourrais prendre un wither, éventuellement, mais j'ai quand même pas les masses de contrôle. Donc, il vaut mieux que je repasse intérieur, revenir. Là, il est moins content. D'accord? Une des spécificités de la Luta, et là, vous restez sur le street grind. C'est que tant qu'il veut revenir au centre, je retourne au centre. Si ça doit durer 10 minutes, j'aurai 10 minutes comme ça. Vous avez vu, on s'en va avoir marre. Vous devez constamment vous dire je reste. Et là, je pense que ça pousse en plus, on va être de moins en moins heureux. Quand je suis au centre, je suis bien. Ça, c'est hyper important. Ne lâchez pas les dés, ce qu'on appelle les dés. Recherche de Underwood, Plumel chez les Américains. Ne cherchez pas à lâcher ça. Le défaut qu'on a, et ça c'est le défaut lié au jujitsu. À cause du jutsu, il y a plein de qualités dans le jutsu, mais vu qu'on a le gi, souvent on se dit ah ça va,
Donc je commençais à contrôler là. Sauf que bah j'ai pas autant de jeu quand je suis là. D'accord? Donc vous lâchez jamais l'endorphine. C'est à vous d'être travaillé. Quand je veux le rentrer, vous ne laissez pas faire. Voilà, vous ne laissez pas faire. Donc, il a son rayon, je reviens au centre, deuxième chose, ma tête. Là, il est fort, là, il n'est plus. Tête au centre. Ma tête au centre protège des guillotines et me permet d'avoir un contrôle et une gamme qui est intéressante. Ok? Ok, maintenant, je suis à l'intérieur. Je vais casser sa structure. Je vais commencer à travailler avec mes bras. C'est pas le truc le plus pratique que je veux faire là, mais au moins ça vous donne une idée globale. De toute façon, un à l'intérieur, deux à l'intérieur. Ce que je vais vous demander, c'est de reculer un petit peu vos hanches et de placer vos épaules sous le partenaire. Ok? J'insiste, épaules au niveau de ses genoux. Commencez pas à le faire quand vous êtes là. Trop d'énergie. Je passe. Donc traditionnellement, ce qu'on faisait, c'est quand c'est dur comme ça, je reviens au centre et je ramène vers moi. Ça, c'est très très bien. On fait moins que moi aujourd'hui. C'est juste pour que vous compreniez qu'on le fait pour avoir les épaules en contrôle. Là, vous n'avez pas trop de danger. Il y a des mecs qui ont tapé avec les deux jambes là. Mais bon, la stuff est trop basse pour qu'on se prenne la tête. Après, là, je veux que mes mains aille d'un côté de l'autre. Ce que je ne veux pas. Ça, ça marche avec des gens qui ne sont pas sourds, qui ne sont pas fatigués, etc. Ça passe ce combat, j'en ai arrivé là. Je fais ça, ça marche pas très longtemps. D'accord? Là, c'est pas une poussée, c'est un angle. Je mets ma main, si c'est trop loin là, je le mets ici. Ok, top, ça change. Je pose, je monte, ça change, et là, donc, j'ai mis une cale, qui devient un point de pivot. N'oubliez pas, les cales deviennent soit des leviers, soit des points de pivot. Je n'ai pas forcé sur ce jambes. Je me suis barré de ces jambes. Je reprends parce que ça, c'est important. Si lui, je m'énerve. Il part, il bouge, il mange une barre. Moi, mon idée, c'est pas de me battre contre ces gens. C'est de prendre contre ces gens. Là, je suis passé. Ok? Je suis passé, regardez ma hanche, elle est encore complètement au sol. Si j'ai la chance d'avoir son coude là, je pousse mes fesses. Là, pour lui, c'est pas la joie. Je vais me défoncer. Non, ça change! Bon. Pour répercuter, je suis surtout là, je trouve plutôt pas mal pour l'embêter. Là, vous en faites. C'est chiant pour lui. Hein. Là, il a très très. Je l'ai déstructuré complètement. J'ai cassé son bras, son corps. Je vous reprends. Non. On est là. Ça va lutter. Allez, on tient. Je m'énerve pas. Oh, ça change. On revient. Là, je prends mon temps. D'accord? Là, beaucoup vont dire ouais, mais je suis hyper décroché. On s'en fout en fait. Viens là, je bas, je commence par un premier côté. Pour être dans l'absolu, il y a le deuxième. Là, vous posez l'exercice. Le deuxième. Vous pouvez remonter. Point de vue haut. Là, je fais attention, je vais me faire les coudes, le chemin. D'accord? Ah ouais. Ok. Allez, j'y vais.